Thank you.
Coucou. Salut tout le monde. C'est toi, Moïse, que je fais ta caméra. Est-ce que ça va? Il fait beau aujourd'hui. Et du coup, ben, là, on va faire un dessin de jour. Parce que d'habitude, c'est plutôt la nuit. Enfin, vu que c'est le soir, en général, il fait nuit. Donc là, c'est chouette. On va pouvoir faire ça avec une lumière. C'est quoi ces petits smileys qui passent? C'est Alvin qui dit bonjour avec sa propre icône. Coucou Alvin. Merci pour ton abonnement Prime. C'est trop gentil. Coucou Mimi, tu dessines avec nous? Salut Elsa, salut Miss Spondy, salut Véronique, salut Manon, salut Caroline, salut Elsa, salut DDG, salut Karine. Coucou Stéphanie, c'est le premier live de ma fille Flore qui est toute excitée. Ah, trop bien! Et ben nous du coup, on a Tito et Ellie qui vont faire le dessin aussi. Mais ils n'ont pas le droit de passer à l'écran, sinon YouTube bloque les commentaires. Bonjour tout le monde. Oui, au niveau éclairage, c'est top. Ouais, hein, c'est mieux, hein. Alors du coup, aujourd'hui, le thème, c'est araignée. Moi, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, parce que comme il y a des enfants, il faut partir sur quelque chose de pas trop compliqué non plus. Est-ce que vous, vous avez des idées? Coucou Virginie Colo, c'est trop bien que tu sois là. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour le thème araignée? Non, dis-toi. Pourquoi? On fait une toile. Ben, joue pas avec la gomme. Une toile d'araignée, on met des petites écous derrière et on met l'araignée dessus. Salut Nessa. Coucou Nessa. Coucou Cécile. Mon 3 est dessin adulte depuis semaine dernière, grâce à vous. Oh, génial.
Coucou Mélanie. Famille d'araignées fantômes. Il faut lâcher un fantôme, il faut passer à autre chose. Une araignée au plafond, lol. Ah, j'avais pensé à ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous donne mon idée du coup. Je sais que ça va être un peu dans les classiques qu'on fait régulièrement, mais qu'est-ce que vous dites d'un petit chat avec un chapeau de sorcier et à la pointe du chapeau, il y a un petit fil avec une araignée au bout? Alors sinon, il y a une araignée dans les bois avec des gouttes de rosée sur la toile. C'est Fleur Disant qui dit ça. Une araignée au plafond, genre petit bonhomme avec une toile d'araignée à la place du cerveau. Ça fait penser à ton bouquin qu'on a fait sur les araignées. Ouais. Ce sont fils des araignées mais gentilles. Moi je vois une araignée à patins, à roulettes, du Ridiculus de Ron, dans Harry Potter. Bonjour Caroline. Une araignée sur le balançant accroché à un arbre, jouant un son de musique. Anne qui partira, il n'y a pas de soucis. Roselyne, j'ai essayé de... l'araignée qui tricote, mais je mélange les pattes de l'araignée. Mais qui mélange peut-être plutôt. J'adore l'idée de la toile d'araignée avec la goutte de rosée. Une araignée avec un chapeau qui tricote. Bonsoir Hélène, qui nous regarde depuis le train. Une araignée sur le sable de son sombrero. Parfait ton idée, Véronique. Cécile dit bonjour, une araignée un peu sorcière sur un balai. Je crois que j'ai compris tout ce qui est passé. Oh oui. Une araignée qui tricote des chaussettes sur une feuille d'automne. Delphine. Ouais, un éléphant qui se balance sur une étoile, étoile d'araignée. Avec son étoile. Enfin, tricoté. Au lieu de son. Ou aussi la sorcière. Au lieu de son chaussette sur un balai. Moi, j'ai une meilleure idée. En fait, tu es une personne qui est emballée et il y a une araignée qui monte dans la très, c'est une super bonne idée, hein, la toile d'araignée avec la goutte de rosée, mais je me sens pas du tout de faire ça. Je vois pas, j'arrive pas à me le représenter. Une araignée qui répare sa toile. Cécile, ton idée est la bonne, Laure. Merci. Je t'ai mis la chanson en tête, Sam, j'espère. Oh, je suis pas. Il y a peu de chance. Je suis pas trop à avoir les chansons qui restent en tête. Ce gros bestiole, je dis là dans la maison. Ouais, je pense que pour aujourd'hui, je vais rester sur mon idée si ça vous ennuie pas, parce que j'adore vos propositions, mais. Mais en fait, j'arrive pas à. En fait, les araignées, je suis quand même pas hyper à l'aise avec une araignée. C'est aussi ça. Bah, tu fais comme ça, un rond et des pattes. Hein. Oui, c'est facile. Pourquoi se prendre la tête? On commence? Ça ouais. Vous va? Il est 30, on avait prévenu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va? Du coup, j'ai pas reçu, pardon, excuse-moi, je vais vérifier. Bah, elle disait que j'allais peut-être rester sur mon idée. Parce que je le sens. Ouais, mais c'est ce que je sens. C'est le chat avec le chapeau et la petite araignée au bout. Je pense que sur des trucs sur lesquels je suis plus à l'aise, ce serait plus simple. Mais là, le thème araignée, je vous avoue, c'est pas là où je suis plus à l'aise. Est-ce qu'on peut faire son idée, mais le chat qui est sur un balai? J'adore Michel. Une araignée sur sa petite. Sur sa pierre tombale qui couse sa toile avec un fil et une aiguille. Maman, est-ce qu'on. C'est un peu triste. Maman, est-ce qu'on peut faire ton idée, mais le chat est sur un balai? Bah ouais, après, moi je propose un truc, mais chacun peut faire aussi à sa façon. Parce que moi j'ai envie de faire un balai. C'est parti. Tu imagines le chat sur un balai? Ouais, en vrai c'est sympa. Alors, on va commencer par le chat quand même. Donc, le chat, on va lui faire... On va commencer par un rond pour la tête. Il faut laisser de la place au-dessus parce qu'il va y avoir le chapeau. Il faut laisser de la place un peu derrière parce qu'il y aura le balai. Comme ça. Il va être... Ici, on va refaire notre goutte d'eau comme toujours. Moi, je vais faire. Je
Je la fais toute petite. Je vois bien mon chat avec une très grosse tête. Ici, on va lui faire les deux pattes comme ça qui vont être posées sur, le balai. Alors, d'abord la tête, d'accord ? La petite goutte d'eau. Et ici, en fait, on fait comme un triangle comme ça. Tu vois, ici, c'est une patte avec la main sur le balai. Comme ça ? Je vois pas ce que tu fais. Un petit triangle. Oui, tout à fait. Et après, je vois. Et un deuxième ici. Et après, je fais une petite patte comme ça. Une deuxième au milieu. Du coup, pour s'aider, on va quand même venir faire le trait du balai. Ok ? On vient faire un trait qui passe sous ses fesses et qui passe entre ses mains. Et un petit peu penché. Peut-être un peu trop bas. Tu as fait les mains ? Non, pour l'instant, j'ai pas fait les mains. C'est vraiment... c'est juste, j'ai fait les deux traits pour arriver à voir à peu près où les mains seront posées, d'accord ? Maintenant, moi, j'ai plus qu'un pied, mais il faut mettre où l'autre. Voilà. Ensuite, ici. Kiki, t'es pile poil à l'heure. Ah oui, on a vraiment juste commencé. Je suis en retard. Coucou, Kiki. On a juste fait un rond pour la tête, une petite goutte d'eau. On a préparé les traits pour les bras. Et on a fait un trait comme ça pour le balai. Ensuite, ici, on aura sa petite patte, ok ? Il est assis. Donc, on a la petite patte qui retombe comme ça. On voit qu'il est assis. Ouais. Tu descends, tu fais un petit rond et tu remontes. Très bien. Petite ma patte, hein. Super. Mais regardez, sinon, Titouan, regarde. Tu fais un rond pour les fesses. Titouan. Tu regardes voilà, ce que je te montre. Si tu veux faire plus gros, tu fais un rond pour les fesses et un rond pour la patte ici. Et en gros, là, moi, mon rond pour les fesses est quasiment aussi gros que mon rond pour la patte. Moi, j'attends. J'attends que Titouan réussisse à faire... Là, non, ici, le deuxième rond. Le deuxième rond, il est ici, en fait. Tu vois ? Et maintenant, ça fait comme ça. Comme ça. Et après ? Donc, ensuite, on a ça. Ici, on va venir... On peut refaire notre patte de manière plus précise. Donc, ici, en gros, hop, on descend les deux traits. Et là, vu que le balai est là, on va venir... Voilà, faire la petite papatte comme ça. Je sais pas comment on va faire. Moi je comprends pas trop où je suis en fait ici. Tu vois ? Attends, j'ai envie de faire un chien et puis de ton balai. Ensuite, on va venir faire l'épaisseur du balai. Épaisseur. Tu vois, si on fait un deuxième trait. Moi je ne savais pas comment aller pour c'est pas bien prendre. Une petite question, je ferai en regardant le live, mais les lives, il y a des heures quelque part. Pour l'instant, il y a les heures affichées sur le Discord automatiquement et sur YouTube. Sur YouTube, on annonce les 2-3 prochains lives et sur le Discord aussi. C'est les deux endroits où on affiche les heures et après l'heure des fois elle le met sur Facebook dans des posts, mais c'est plus rare. Ah, trop bien, Virginie Colo qui fait la petite pub. Pensez au Patreon et à Ulule pour ceux et celles qui n'ont pas encore contribué. Et n'oublie pas les pouces pour la visibilité de leur... C'est marrant parce que ouais, les youtubeurs, vous parlez souvent des pouces et ça, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience. J'avais jamais parlé des pouces quand j'étais en live. Après, c'est de moins en moins vrai en fait en termes de... En fait, rester... Maintenant, ils utilisent beaucoup plus le temps que tu passes sur les vidéos et les commentaires que tu fais. On fait quoi ? Alors ensuite, pour le balai, on va le faire comme ça, le balai. C'est pareil, ça fait comme une goutte d'eau qui part vers l'arrière. Regarde ce que j'ai fait. Ça ressemble à un pinceau, d'ailleurs. Ah ! Quoi ? T'as écrit ça ? Ouais. Voilà. Et en fait, souvent, ces balais-là, ils ont deux trucs comme ça. Ils sont souvent attachés. Oui, c'est cordes. Ouais. Okay. Si
Sinon, ça ferait des poils dans tous les sens. Voilà, donc je fais les... Attends, j'attends avec impatience ce live, dit Ophélie. Oh, ça fait plaisir, Ophélie. Je n'arrive pas à travailler avec Amazon, je sais pas comment ça se fait. Ouais, c'est étonnant parce que normalement, la seconde... autant la première fois, il y a pas de manipulation à faire là, pour utiliser Amazon Prime pour s'abonner, autant les fois suivantes, normalement, c'est assez simple. Il faut juste recocher la case utiliser Amazon Prime et valider. Et... Vu que ton compte est censé être... Twitch est relié à ton compte Amazon, t'as pas besoin de faire plein de manières. Je peux t'aider, je peux te montrer, si tu veux. C'est juste, en fait, moi je fais beaucoup plus d'épaisseur, ceux tu vois. Qui, et le bras ici, je le fais épais comme ça, et là, en fait, si vous êtes comme ça. Si vous êtes abonné... Pardon, excuse-moi. Si vous êtes abonné à Amazon Prime... pour recevoir vos colis rapidement ou tout simplement pour regarder les vidéos Amazon Prime, sachez que vous pouvez nous soutenir en fait dans votre abonnement Amazon Prime. Vous pouvez soutenir un artiste, c'est bon, je suis et Amazon va nous reverser quelques euros. Voilà, il y a une petite manip à faire. Je vous passerai le lien si vous voulez, si vous voulez le faire. Ça serait très gentil parce que ça permettrait. Ça nous souvient de quelques euros en plus, chaque personne qui le fait, et puis bout à bout, c'est... Les petites rivières... Non, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça. Est-ce que si je suis dedans, maman ? Oui, Titon, t'inquiète, c'est pas non plus... c'est surtout qu'il faut pas vous voir en gros ou quoi, mais de dos, c'est bon. Ah, c'est rigolo, mon nini. Ça marche ? On va passer à la tête. Du coup... on n'a pas fait la queue du chat. Pour la queue du chat, je propose, pour donner un peu d'équilibre, de la faire comme ça là. Bon, en vrai, vous pouvez la faire vraiment comme vous avez envie, hein. Tout va marcher. Ça peut être en l'air. Moi, je vais la faire comme ça, posée sur le balai. Pas là, mais moi, je le retravaille un petit peu après. Mais c'est comme vous voulez après pour le colorier ou pas. Moi, il est trop beau. Toi, t'as fait pas. Et moi, il y a des traits partout. C'est normal. Celui d'hier, moi, tu l'as vu ce matin, celui d'hier, j'avais mis plein de traits partout. C'est que là, je suis un peu plus à l'aise parce que c'est un domaine où j'y arrive un peu mieux. Mais c'est normal que quand on apprend, on fasse plusieurs traits et que ce soit pas forcément tout facile. Bon, ici, on va faire la tête de notre chat. Alors, j'aimerais bien lui faire vraiment un profil. Le profil. Attendez, je ne dessinais pas tout de suite. Je veux juste vérifier si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Du coup, pour le profil, donc vous avez votre rond là, d'accord? Ici, vous allez faire un trait au milieu du rond. En plus, mon rond, il n'est pas rond. C'est pas grave. Parce que de toute façon, on modifie des choses. Qu'est-ce qu'il y a, Nini? Il y a Ellie qui se fend la poire tout seul avec son dessin. Ici, on va faire le front. Oui! Merci, Alvink. Oh, merci, Alvink. Pour acheter le coloriage. Du coup, on est à 227%. Et dis donc, on se rapproche des 250. C'est trop cool. Merci beaucoup à toi. Ça fait super plaisir. J'aime bien entendre la petite cloche pendant le live. Donc là, on a fait le front. On s'arrête au niveau du trait qu'on a fait au milieu du visage. Ensuite, on va faire une petite avancée comme ça, avec un petit triangle au bout. Pour le nez. Comme ça. Ouais. Trop grand l'avancée par contre. Ouais, faut pas. Pour les chats, elle est très petite l'avancée. C'est vraiment un tout petit. Comme ça. Voilà. Et par contre, après, on redescend. On redescend comme ça. Oh là là, il est encore ultra grand. On dirait un nez de jument. Non, c'est pas un nez. Regarde, en fait, c'est que toi, tu es revenu comme ça. Tu vois? Là, t'as vu, ce que j'ai montré, c'est que ça fait un grand rond vers le bas. Moi, la moitié est plein de trucs. Hein. Regarde, ce que tu peux faire, c'est garder ça et là, faire schlac, schlac. Tu vois ce que je veux dire? Et tu gommes ça. Il est trop drôle, Lily. Il a l'air un peu vénère.
Je crois qu'il n'est pas content d'avoir une araignée sur le chapeau. Ici, pour faire... Donc là, on peut faire le petit museau comme ça. À moitié peur, à moitié vénère. En vrai, ça ressemble presque plus à un renard qu'à un chat, mais on s'en fiche, on n'a aucune obligation. C'est un canard, en fait. Vu qu'il vient d'être en live, je peux pas trop faire plus que ça. Je sais ce que j'ai fait ici. Il y a beaucoup de frais en ce moment, mais je tenais absolument à participer. Ah, mais arrête, Alvin, c'est déjà mais super adorable. Merci à toi. Franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils qui... Non, une tête de côté, une galère, j'y arrive pas. Mais si, ça va, c'est plus facile que de face en vrai. Hein. Yacine qui dit Virginie Colo, je me suis abonnée au Patreon hier. D'ailleurs, merci Céline. C'est vrai que je crois pas qu'on l'ait vu en. En direct. Ben, on va le faire après. D'abord, on va faire l'œil. Donc, pour l'œil, vous faites comme une parenthèse ouverte ici. Moi, j'ai déjà fait. Façonné, ouais. En fait, l'œil, la pointe de l'œil arrive sur le trait qu'on a fait, là. Et ensuite, ici, on fait, hop, le devant de l'œil. Comme ça. Est-ce qu'on voit mon dessin, papa? Non. On les montrera à la fin, les dessins. Tu sais, Titan, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est là, c'est juste un temps pour s'amuser. Ce que je fais là. Tu as vu ce que je suis en train de faire? Bah ouais, je trouve ça très bien. Fais les choses que t'as envie. On a le droit, tu vois, Ellie, il fait à sa sauce et ça marche très bien. N'hésite pas à faire à ta façon. C'est ce que je fais, hein. C'est bien. Là. C'est bien, mon Titan. Hop. Donc on a fait notre œil, on va le faire. Donc on peut refaire ici un peu de noir pour faire la direction de l'œil. On va dire qu'il regarde en avant. Alors au niveau du chapeau, ce que je ne sais pas, c'est pour les oreilles. J'aimerais bien quand même qu'on voit un peu ses oreilles à ce petit bonhomme. Oui, tout à fait. Bon, moi, il est tellement de travers mon chapeau que pour faire les oreilles. Alors ici, vous êtes prêts? Regarde. Partez. Attends. Faut que je fasse. Comment je peux faire en fait qu'elle a. Enfin, que le chat il a peur. Tu fais un trait. Je peux te le montrer là? Ouais. Comme ça. Comme ça? Donc je finis pour. J'en profite pour ouais. Dire. Donc ce qui me pose. Alors, la question par rapport à Amazon Prime, y a-t-il d'autres choses que Twitch avec Amazon Prime? Alors en termes de soutien aux artistes, non. Après Amazon Prime, ça comprend. Il y a Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Music un tout petit peu. Il y a une vidéo, c'est quoi? T'as le catalogue, assez gros. Regarde, ce qu'ils font. T'as un catalogue, t'as un petit catalogue musique, mais qui est limité. T'as les livraisons, t'as des jeux vidéo tous les mois pour faire et un soutien à une plateforme. Tu les as fait sur les oreilles là encore? Est-ce que les oreilles sortiront d'un trou du chapeau? Ben je sais pas, ouais, j'aimerais bien, mais du coup j'allais faire le chapeau. Donc pour le chapeau, on part du front là. On remonte. Alors je vais le faire assez grand le chapeau. Et on va redescendre par là. Mais ça fait pas un chapeau de sorcière là? Bah si, souvent ils ont des grands trucs les sorcières. Moi je retire ma sauce. Donc hop, alors je vais le faire descendre plus bas que ça. Ça marchera mieux. Voilà, on descend assez bas. Salut Maïlis. Ouais, c'est rattrapable. On est en mode dessin avec les enfants aujourd'hui, donc vraiment. Là, je fais un tout petit peu d'ombre en attendant à l'intérieur du chapeau. Comme ça, moi, regarde. T'as vu ? Parfait. Et ici, donc, on a sa tête comme ça, d'accord ? On va faire. Bah, du coup, on va peut-être faire le trou de l'oreille ici. Vous voyez, on fait ressortir l'oreille. Dans ce truc-là du chapeau. Donc là, on fait notre triangle pour l'oreille. Et ici, on fait le petit trou dans le chapeau. En faisant un petit trait comme ça. Et on va faire l'intérieur de l'oreille comme ça. C'est moi, on dirait plutôt... Je sais pas si on dirait. On dirait un ours. Non, on s'en fiche. Mais il est trop mignon, hein, Titon. C'était une super bonne idée de le faire en train d'avoir peur. Donc voilà. Et ici... On va avoir, donc vous voyez, on a à peu près la taille de la tête là.
Donc on va lui faire le ruban. Vous savez, tous les chapeaux, ils ont une espèce de ruban comme ça. Donc on va venir faire le ruban juste derrière l'oreille. Ah oui, le ruban, oui. Et ici, on peut terminer le... Voilà, on peut raccrocher au niveau du chapeau. C'est génial. Ici, on peut faire... Voilà, ce truc-là, là. Aïe. Là, je gomme, du coup. Ce qu'on voit, hop, on peut gommer. Alors, si vous voulez, sur Twitch, vous pouvez balancer les gommes. Ça permet de cacher les traits du visage. Voilà. On a notre chapeau de sorcier. Coucou Cindy. Caroline qui se va un peu vite sur le chapeau. Ah bah oui. Ok. Je suis d'accord avec elle. Du coup le chapeau. Alors les enfants à côté. J'avais dit la boucle. On redescend. En étant assez bas comme ça. Voilà. Et ici en fait, on a fait la petite oreille qui sort du bas du chapeau. Vous voyez, moi j'avais mon rond, donc on voit à peu près où on place notre oreille. Et ensuite au niveau de là où j'avais ma tête, je suis venue faire en haut. Tu prends la gomme, tu l'as mis pour toi. C'est papa qui l'a là. Je viens faire le ruban. Moi, j'ai pas voulu le faire grand. Il y a un truc. Ouais. Et alors ensuite, le chapeau. On va d'abord faire un trait pour voir sa position. Vous voyez, on cherche, on regarde. Moi, j'ai envie de le faire un petit peu tordu, vous voyez. Donc en gros, c'est assez pointu, mais j'ai envie de le refaire retomber comme ça. Là, je me rends compte que je peux allonger un petit peu le ruban, comme ça, il sera un peu plus épais au-dessus. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a, tu crois? Non, je sais pas. Je suis en train d'avoir ce que je peux faire plein de rajouter. Donc là, vous voyez, vous faites, quand vous avez fait votre trait, vous faites comme un espèce de triangle qui revient là. Donc je vais le faire en plus foncé. Tiens, c'est le chapeau. Hop. Et là, du coup, on redescend. Et on vient faire la petite pointe ici. Il y a ceci là, Marie qui dit, là, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, je le ferai en replay. Ah, bah c'est cool si tu réessayes. Là, c'est sûr que à cette heure-là, il y a un petit peu moins de monde. Vous pourrez le faire un peu plus tard. Mais je suis pas là ce soir. C'est pour ça, on est obligé de le faire un autre moment. Mais je trouve que ça a un côté agréable de le faire au jour comme ça. Donc, pas ça jeudi et mercredi. Tac. Alors, vous êtes prêts pour la petite araignée? Parce que c'est un peu le truc important de la soirée. Moi, j'en ai quelques. Coucou Valérie. Pour une fois, je suis contente de mon dessin. Ah, je suis contente Alvin, trop hâte de le voir. Il est trop choupinou ce petit chat apprenti sorcier, merci. Je me sens moins en galère qu'hier, j'avoue. Là, je suis plus dans ma zone de confort. Et ici, on va faire un petit fil avec l'araignée au bout. Donc pour l'araignée, vous allez voir, hein, c'est vraiment ça que j'ai un peu triché, comme je suis pas hyper calée sur les araignées. Donc je fais un petit rond, un gros rond. Je le fais noir. Et ensuite, on peut faire les petites papates. Ça a 8 pattes, hein, une araignée, c'est ça?
Oui. Bonsoir, c'est à partir de quel âge se court enfant SVP? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Là, nos enfants, ils ont 7 et 10 ans. Mais on a déjà vu des 5 ans, je crois, quand on faisait. Mmh, ouais, ouais. Après, voilà, les enfants, ils... c'est en mode, il ne faut pas qu'ils se prennent la tête. Alors, si tu veux, si vraiment tu as un tout petit, tu peux aller sur les toutes premières vidéos qui sont sur Ulule. Sur parce qu'Eli, sur YouTube. Message subliminal. Parce que au tout début, Ellie avait 3 ans, Titouan en avait 7, un truc comme ça. Et en fait. Il avait 3 ans, j'ai 6 ans, hein, je n'ai pas 7. Oui, c'est ça. Ou alors, c'était entre le mois de mai. En gros, les deux étaient tout petits, c'était pendant le confinement. Et du coup, je leur faisais faire des dessins un peu plus simples. Et en fait, ils géraient super bien. Mais on était sur des formes un peu basiques, là, c'est un peu plus complexe quand même. On a commencé à aller un peu plus loin. Après, voilà, l'enfant peut le faire et juste, faut pas qu'il veuille absolument faire pareil. Il faut qu'il se fasse plaisir. Ce que j'ai dit à mes enfants, c'est de créer leur imagination autour. Ben non, mais c'est très rigolo. T'as fait ta petite araignée, Ellie ? Oui, j'en ai plein. Ah, trop drôle. Ok. Moi j'ai fait une très grosse araignée ici. On va faire notre lune. Notre lune. C'est obligé avec un truc comme ça. Bah ouais, ce que j'attendais. Là il y a Oh, j'ai fait pour colorier. T'as vu comment ça sent bon quand j'ouvre la bougie? Oh punaise. Ah ouais. J'ai rien. Non, passe pas de moi par contre. Les feutres ils sont dans. Non, Ellie. Ah oui, si, tu peux prendre ceux-là, oui. Hop. Donc, j'ai fait ma petite lune. Alors, ça prend pas beaucoup de place hein, sur mon dessin. J'ai encore plein de place sur ma feuille. Je me dis, on pourrait rajouter des petites chauves-souris. Et en vrai, ça serait peut-être cool de faire une autre araignée, justement, qui est en train de tricoter. Je me dis, à l'arrière du balai, là. On pourrait installer une petite araignée, mais qui est en train de tricoter un truc, comme vous aviez proposé. Une araignée sur un chapeau se tricoter des bottes. Chauve-souris. Ah, il y a eu des bananes qui sont passées. Non, c'est pas... C'est mes lunes que j'ai mis. Quand t'as dit on fait la lune, j'ai mis ma lune. Et t'as vu des bananes. Ah, peut-être que mon... Ouais, j'ai regardé. Non, ça va, c'est que j'ai regardé vite fait de côté, j'ai vu une banane, c'est tout. Je vous la remets pour ceux qui sont pas sur Twitch, puissiez la voir. Elle a traité mes lunes de banane. Quelle lune? Il a fait où des lunes? Regarde là, il a envoyé des lunes et en fait ça se voit sur l'écran. Moi je peux pas voir. Je vous montrerai tout à l'heure. Ok. Parce que moi non plus, hein, j'ai pas vu. Regarde, non. Je faisais des chauves-souris et le petit fantôme. Mais le petit fantôme m'a dit qu'on ne refaisait pas cette année, qu'on verrait s'il y a autre chose qui émergeait. Le petit fantôme. Mais l'année dernière, on faisait un chatôme. C'était un chat qui était arrivé assez vite. Qui était devenu fantôme. Mais je n'ai pas forcément envie de le refaire là sur tous les dessins. J'aimerais que ce soit autre chose qui. Pas une petite araignée, je crois. Non. C'est vrai que c'était bien ça. Alors, du coup, chauve-souris. On va en faire une petite là. Donc pour les chauves-souris. Je fais un rond comme ça. Qui t'a donné l'idée des chauves-souris? Et ensuite, on fait comme un triangle sur le côté, ici. Et là, on va faire 3 ponts. 1, 2. Et le dernier pont, il doit toucher la pointe de l'aile. Vous voyez ce que je fais? Ouais, ça va. Et avec le jour, c'est quand même mieux. Un mouton, peut-être vers la lune. Ah oui, pour reprendre nos moutons d'hier. Tu peux me passer le ton set ou la semaine? Ah, il y a Caro Colo qui tiens dit pas. Qu'elle a raté l'heure. Bon bah tu nous montreras de toute façon, c'est pas grave. Ça se rattrape. Là, je fais 2 petits points comme ça, c'est pour faire les oreilles. Et ensuite, on peut colorier à l'intérieur les petites ailes. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Une petite pointe et un
2, 3 ponts. Avec le dernier pont qui touche le bout de l'aile. Salut les créas de Sophie. Coucou à toi. On a une première chauve-souris. Il faut en faire combien? Souvent je fais 3. Ah oh non, j'ai pas fait du coup. Ici je vais en faire une vraiment qui est posée sur la lune. Donc toujours un rond, deux petits trucs comme ça pour les oreilles. Attends. Tu vas trop vite. Excuse-moi. Oh. Très bien. Alors, c'est bon, tu peux continuer. Hop, ben là c'est exactement la même chose qu'on fait. C'est le petit triangle, les trois ponts. De quoi? Ah non, c'est Fripouille qui pour nous dire bonjour, mais nous avons plein de gommes. Non, j'ai pas gommé. Salut Fripouille. Caro Colo, zéro pointé. On arrive en retard dans mes cours. Ah oui, ça se passe comme ça. Et je vais en faire une autre petite ici. Attends. Une petite. Bah, elles ont toutes la même. Oui, taille. Je les fais toutes. Non, mais c'est parce qu'elles sont petites, quoi. Et oui, elles ont toutes la même taille. Moi, je vais vraiment faire une plus petite. Ah, maman, ce que j'en ai fait une vraiment toute petite. Ah, bah, c'est rigolo. C'est bien de faire des tailles différentes. Regarde ce que j'ai fait, bonne idée. Alors souvent, ouais, sur mes bords de lune, j'aime bien faire mes petites écritures. Moi, je n'arrive pas à faire des petites écritures. Tu peux écrire des vraies choses. Tu peux écrire « Ce soir, la lune brille de mille feux ». Tu fais du vrai texte. Jure, ton chat était vraiment comme ça à l'envers. Au début, je crois que t'es fait comme ça. Oui, je l'ai fait sur le côté, comme ça. Je suis trop forte. Alors, si, une autre idée que je. Enfin, un autre truc que je pense qui peut être sympa à faire, c'est d'avoir ici comme un fil. Hop. Coucou, petit color. T'as dit quoi? Pretty color? Mmh. Ah ouais. Coucou. Vous voyez, on fait comme si. Voilà, on a un espèce de fil là. Hop. Un espèce de fil. Ouais, en gros, c'est un fil de toile d'araignée. C'est comme si, tu vois, il y avait une araignée qui avait commencé à s'accrocher au balai, mmh. Qui avait commencé sa toile, mais qui n'avait pas fini. Et elle est accrochée, pareil, elle est accrochée au bout. On peut la faire comme ça, genre en mode elle s'agrippe pour pas tomber. Non, ça va trop vite. Ah ouais. Je crois qu'il y a tout. Mais du coup, on n'en voit pas beaucoup des pattes. Ben, je les ai faites, ouais, je les ai faites accrochées comme ça. Comme ça? Est-ce que c'est bien, là? C'est hyper cool, ce que t'as fait. Ça marche très bien. Mince, faut que je vois mon dessin. Est-ce qu'on l'a vu, papa? Mais c'est pas grave, on peut voir ton dessin, ça, c'est pas grave. Mais non, mais j'aurais pu voir la fin. Je pense pas, parce qu'on a vachement zoomé le dessin devant. Voilà. Alors, on peut refaire un ou deux... Moi, je ferais bien au deuxième fil comme ça. Un ou deux. Ouais, on en voit plusieurs. Et. Bleu. Non, c'est désolé. Ellie, elle dort, ce qu'il a fait, ça tombe bien. Bah, c'est trop cool. Ah oui, donc, et là, sur la toile, on peut faire des petites étoiles. Tu vois, on parlait de la rosée tout à l'heure, ça peut donner l'impression ouais, que les,
que dans les fils, il y a un peu la lumière qui se reflète. Ah, mais ça gomme, a priori. Elle a mis une gomme. Ouais. Ah, mais les gars sont au complet pour l'Inktober. Ouais, ce soir, il y a les gars. De temps en temps, ils seront avec nous. Quand on fera en journée, jeudi prochain, jeudi soir, je pense qu'ils seront avec nous. Ouais, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait avec Titouan et Ellie. Puis moi, je sais, je vais faire une grosse étoile ici. Mais quand je dis grosse, c'est grosse. Regarde, t'as vu, qui brille de mille fois. Comment on peut faire pour qu'elle brille? Mettre des étoiles sur étoiles? Ça marche, ou sinon, moi, je fais des petits traits autour. Ah oui, pour faire classe, comme ça. Tu peux me le faire comme ça. Ah oui. Tu vois, des grands traits et des plus petits traits. Je vais juste gommer ce fil-là. Eh oui, gomme! Parce qu'en fait, il est très épais. Ça me plaît pas. Et en vrai, ce qui serait cool, c'est qu'en gros, on sente que l'araignée, elle s'enroule aux autres fils pour pouvoir créer sa toile. Remonter la petite araignée qui vole. Ah, mais la gommer. Ah oui, je l'ai virée. En fait, parce que du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. Tu vois, j'avais deux fils comme ça. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être chouette d'avoir un troisième fil. Et en gros, le troisième fil, c'est l'araignée qui tisse son truc en même temps qu'elle... En même temps que le voyage sur la Lune, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de mascotte, Caroline, cette année. On a dit qu'on verrait au fur et à mesure s'il y a nous qui émerge. C'est fou comment c'est... Ouais, je pensais pas que c'était aussi important, oui, la mascotte, quoi. C'était trop bien. On aurait peut-être dû garder le château. Normalement, on va en avoir une mascotte, c'est promis. Souvent, ça arrive vers le troisième ou quatrième jour. Voilà, et ensuite... ouais, on peut lui faire une ou deux pattes sur le haut, comme ça. Une patte qui essaye d'accrocher le... c'est rigolo. Je me fais marrer toute seule. Et je trouve que c'est rigolo, l'idée que l'araignée fasse un peu de gym pour chercher à... Ah, on se marre avec ce qu'on peut. Touk. En plus, on dirait un peu que le chapeau, il est en train de s'enlever tellement il a peur. Mais trop, c'est génial! Ça fait... Ah! Ça s'envole. T'as vu pourquoi? Il y a une grosse araignée sur la toile. T'as vu, maman? Oh là là, bravo, Sam. Qu'est-ce que tu as progressé en dessin, Sam? Oh oui. Fais voir. Waouh. Oh, non, Sam, toi. Il fait des trucs. Maman. Wow, t'as fait un kiki oui. Fais voir. Et puis, En fait, j'aime bien le dessin comme ça. Je trouve qu'il faut pas trop grand chose de plus. Mais oui, de toute façon, il a un côté un petit peu léger. Un peu. En termes de timing, il faut penser à ne pas faire trop long, mon amour, parce que. Ouais, je vais faire juste. Je vais faire juste une dernière petite araignée qui est posée. Ah ouais, sur le balai. Qui est posée sur le balai. Oh, moi, je sais ce que je vais faire. Trop bonne idée. Comme ça, et là il y a une chauve-souris qui est en train de l'apparaître. Et voilà, une petite araignée aussi. Comme ça qui se pose. D'ailleurs, ce que j'ai fait, mamie, j'ai une idée qu'il y a une araignée et une chauve-souris qui parle. C'est une bonne idée. Et ce que je pensais, c'était Adèle, tu sais, il m'avait demandé si je faisais des cours de dessin. En fait, je pourrais lui proposer un mercredi après-midi de venir avec. Oui. Regarde, maman. Trop regarde, kiki, maman. Ce dessin, merci. Maman, regarde. J'ai la petite chauve-souris, l'araignée qui parle. C'est trop chou. Donc voilà. Et ben... Est-ce que, maman, tu crois que ce serait bien si on rajoute un immeuble qui me battrait haut juste là? Bah oui, non, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais toi, tu l'aurais mis.
Non, parce que c'est moins mon style de dessin. Donc ça dépend aussi du style que t'as mis. Mais tu sais, il y a un garçon qui fait des dessins avec nous. À chaque fois, il invente des tonnes de trucs. Il rajoute plein de choses. Moi aussi, il invente des tonnes de trucs. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est chouette. J'aime bien petit Annie sur le balai. Oh oui, moi je crois que j'ai le droit de t'en faire comme toi. Oui. Mais bien sûr, t'as le droit. Regarde. C'est le but des cours de dessin, c'est de partager nos idées. Regarde. Voilà. T'as vu maman, l'idée d'Elie qui est trop bien. Il a rajouté un petit balai comme ça. Ah oui, et l'araignée, elle est dessus. Ouais, c'est rigolo. Je vais partager le lien. Je vous rappelle que... si vous voulez envoyer un colo ou le dessin d'hier, juste comme ça, merci de bien sélectionner le bon dessin. C'est-à-dire, si vous nous envoyez le dessin de rêve, ben, quand vous cliquez sur le lien, vous choisissez rêve. Si vous envoyez le dessin d'aujourd'hui, qui est araignée, vous allez vous mettre dans araignée. Et pareil, si c'est un colo dans colo, et si c'est autre chose, mettez-vous dans autre. Parce que moi, ça me ferait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, s'il vous plaît, merci. Regarde, j'ai terminé maman, j'ai fait une petite étoile. Et attends, je fais aussi la toile qui pend, comme ça. Moi, je fais des champs. Moi, on voit des champs en bas. Ah, rien de maman. Des petits champs. J'ai terminé moi. Oui. Est-ce que je peux me faire un truc là? Si tu veux, vas-y. Voilà. Il y a Titan qui vous montre son petit dessin en direct. Mais moi aussi, je peux faire un trait. Est-ce qu'on voit tout? Non, on voit pas tout. Après, je vais prendre en photo aussi pour qu'il soit dans la liste, mon Titan. Ah, bah alors. Salut Virgin Colo, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ça m'a fait trop plaisir. Coucou Sylvanie. Merci Aurore. Attends, il y a un truc qui cache, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Bah, je peux pas voir tous les... Pardon, j'ai ouvert une fenêtre. Et tu passes trop devant. Pourquoi je... Ah, merci Fripouille d'avoir remis le lien vers Ulule. Et où la Lune? Attends, on a vu le lien sur... Ah, après petit color, ça me ferait trop plaisir si tu prenais les cahiers de coloriage. Comme ça, tu pourrais me montrer tes jolis colos. Et elle dit, oh, trop joli, bravo, merci beaucoup. Et Fripouille, elle dit, Titou. Et Alvin qui dit, t'es obligé de craquer MDR. Et Nelrov qui dit, super séance, merci, trop cool, ouais, ça me fait plaisir si ça vous a plu. C'est vrai que là, c'était très posé, et puis bon, les enfants ont été cool. Ah, regarde, il y a un MDR, Alvin, tu vas me faire craquer, c'est certain, avec un chat qui est mort de... Coucou Patricia. Ah mince, t'arrives un tout petit peu trop tard. Mais c'est vrai que là ce soir on pouvait même pas voilà, le délai parce que moi il va falloir que je mange très vite. Il est quelle heure? Il est 10h10. Et oui, parce que je dois pas... Non, ça va, aujourd'hui je pars vers 19h je crois. Il est où le téléphone? Oui, 19h. J'ai demandé à Manu de m'appeler quand il partait, mais normalement c'est 19h. J'envoie d'abord nos trois dessins et après je pourrais essayer. 1, 2. Tac. Ah bah là ça a coupé sur YouTube. Je vais peut-être mettre juste une ou deux petites étoiles pendant que vous envoyez un bon dessin. Je dis pas. Mais t'as fait. C'est quoi ça? C'est l'écran. Il y a Oh, il y a des petits cœurs qui volent partout. C'est mes sacs, les petits cœurs. Un dessin. Non, pas dans rêve, mais non. Vas-y, Titan, si tu te connais, on te voit. Parce que moi, je suis à l'image. Et enfin, mon dessin, et après on va pouvoir regarder. C'était trop sympa à faire, merci. Ah, cool, merci.
Ça y est, envoyé. Ah, c'est des cœurs pour Titou. C'est toi, Titou. Oh, petite musique. C'était trop cool. J'ai essayé pour une première fois un dessin. Cool, Coralie. J'ai hâte de voir ton dessin. Ça me fait plaisir quand vous vous lancez en dessin. C'est chouette. Je vais ouvrir le... Oui, j'ai pris en photo. Du coup, ce soir, on va regarder peut-être que les dessins du jour et demain, on attendra des autres. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Ouais. Attends, je mets ça. Après, aujourd'hui, on va regarder que les dessins de l'araignée. Mais promis, on regardera les dessins que vous avez envoyés précédents demain, parce qu'on aura plus le temps. On commencera le live comme ça. Ah, je suis contente, vous avez l'air d'avoir pris du plaisir à faire le dessin, ça fait trop plaisir. Ma grande de 8 ans est conquise et souhaite regarder les replays pour reproduire tes dessins. Ah, génial, c'est trop cool. Donc celui de Mélanie. Ah, t'as fait le petit mouton, ça marche trop bien. Et qui dit aussi dessin en famille aussi ici. Ah, excellent. Dis donc, il est super chouette, hein. Bravo. Celui de Laetitia. Ah, excellent. Bravo, Laetitia. Il est trop mignon, ce petit chat. Les araignées, au moins, tu les as bien mises en avant. C'est vrai que moi, je les ai un petit peu planquées. Non, toi, tu les as travaillées avec plein de détails et tout. Bravo. José. Oh, chouette. J'aime bien ton chapeau. Ah oui, c'est une bonne idée d'avoir réussi à tisser la toile près du... Ah, ça marche bien. La toile tissée près du balai. Le petit mouton nuage, trop chouette. Bravo, José. T'inquiète pas, Caroline, il y a des grandes choses que ça l'envoyait. Et si, même si niveau apparence, il n'est pas joli, moi, je peux le recadrer tout. Celui de Willy. Celui de Willy. Bravo, mon Mimi. C'est chouette. T'as vu, il y a la petite araignée qui dit coucou. Et il y a l'autre qui fait ah, ah. Je sais plus qui c'est, il y a un autre enfant qui faisait beaucoup de dialogues comme ça. Oui, c'est vrai, ouais. C'est chouette quand il y a des petits dialogues. Là, il y a oh super, trop beau, trop mignon. Il y a aussi un petit point d'interrogation, je comprends tout. Ouais, c'est cool comme ça, demain je rattrape celui de hier. Ça roule. Celui de Catherine, Michael. Wow, bravo Catherine. Oh, elle est belle ta toile d'araignée aussi. C'est bien, vous avez eu l'idée de faire la toile en fait complètement. Je l'ai pas fait. Alors qu'en fait, c'est ce que je recherchais à faire. Effectivement, se poser sur le balai, c'est une super idée. C'est très très chouette. Bravo Catherine. Celui de Ophélie qui dit j'ai adoré, merci. Ah, ça fait plaisir. Ouais, trop sympa ta petite araignée là. Ah, t'as mis une chauve-souris au bout du... Ellie, là, c'est possible qu'on le voit, par contre. Ou alors, je baisse la caméra. Oui. Je pense qu'il était à l'image depuis tout à l'heure. Mais t'es à l'image, mon Nini. Toi, ici. Moi aussi, en fait. Non, là où t'es, ça va. T'es caché derrière l'écran, tu te vois, toi. Non, là, c'est bon, tu peux le mettre avec ton frère, on ne voit pas. Tu arrives à voir, là, Ellie, c'est bon? Oui. Ok. Il est trop chouette, Ophélie, bravo. Pardon, excuse-moi. Hop, celui de Miss Spondy. Waouh. Oh, il est excellent aussi. C'est chou, ce petit museau tout pointu. Et c'est une bonne idée, l'araignée qui tombe devant. J'aime bien. C'est papa qui dit merci pour le cours. Je me remets ça grâce à toi. Mais cool, merci à toi. Ah ouais, ça fait grave plaisir. C'est cool. Mais ça qui dit so cute. Bravo pour vos dessins. Gabriel, 7 ans. Excellent. Ah bah regarde, il fait les petites bulles. Ouais. On y a écrit l'orphelipon. On s'est fait un petit autoportrait aujourd'hui. J'ai perdu ma première dent aujourd'hui. Ah, coup, c'est pour ça qu'il y a, excellent. Son autoportrait sur la dent. Mais c'est trop bien. Excellent, Gabriel. Trop mais, chouette, hein. La lune qui a un chapeau, c'est très marrant aussi. Ah oui, j'avais même pas... excellent. Bravo à toi, Gabriel. Celui de Titouan.
Bravo, tais-toi. Il est super. Est-ce que ça fait bien la toile de profil avec l'araignée de profil? Ça marche très bien. T'as super réussi la perspective. Franchement, bravo. Et les ronds dans la lune, c'est les cratères? Hein? C'est les cratères. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ça marche bien. Vas-y, tu as les plus ronds possibles. Hein. Celui de Enerolf. Oh, excellent. Il est tout doux. Wow. Trop. Et là, on a la petite toile d'araignée à l'avant du chapeau. C'est trop bien, vous avez tous fait un peu. Vous avez tous fait un peu à votre façon et c'est trop bien. Mon dessin. Il est trop beau, Timothy. Merci. Moi, j'ai des moustaches. Trop chouette, ça. J'aime bien parce qu'il est épuré. Il est épuré. J'essaie de un peu plus. Ah, les moussages, j'avais zappé. Oui. Et il est chouette. J'aime bien. En fait, j'aime bien quand vous avez mis la petite araignée. Là, elle est trop bien sur le chapeau. Ouais. Ouais, ça marche très bien. Je suis content. Merci. Celui de Elsa Massilia. Je suis pas très rapide, mais c'était très sympa. Merci. Eh bah, ben, écoute. Si t'as eu des commentaires, c'est qu'on les a pas tous lus. C'est qu'on lit pas tout, parce que là, ça défile, tu vois. Bravo. Regarde, si, je suis bravo Ellie, bravo Titouan. Si, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Mais si tu vois, c'est exactement, c'est qu'on peut pas tout lire, sinon on y passerait... Il y a Caroline qui demande que tu remettes le lien pour les dessins sur Facebook. Ouais, je vous remets sur tous comme ça. Au cas où... ah mince, du coup, le prochain est pas prêt. Il était pas... Allez, hop, le dessin de Coralie, et qui dit je me suis bien amusée et pour une première pas déçue. C'est une première Coralie? Ouais, t'as du sacré niveau en fait. Parce qu'il est, il est super réussi, le chapeau il est magnifique. Ça fait un peu le chapeau. J'adore. Et bah écoute, ça bravo. Fait un peu le chapeau sauce tomate. Ouais. Tu vois ce que je vais dire? Non, chapeau sous-sous. Je le trouve magnifique. Oui, il est très très beau. Adeline, oh non, la petite araignée avec son parachute. C'est trop bien. Très chouette. On te dit merci, Laure. Oui, ah, c'est marqué vive Halloween, comme tu m'avais dit d'écrire. Ah, tu vois, j'avais dit que tu pouvais faire des vraies écritures, ça marche bien. Super, Adeline, merci. Tu dis à Fignolet merci pour ce live de fin d'après-midi. Eh bah écoute, il est déjà super magnifique. Hein. Elles sont trop mignonnes tes petites araignées. Ouais, j'aime bien avec la toile aussi. Tu les as... Ouais. Elle a dit en premier plan la toile et tout. Là. C'est une finesse. Ouais. Wow. Bravo Roselyne, il est magnifique. Hop. Qui cri cri. Ah, oh, cool. Merci. C'est drôle, ça fait un petit peu boléro. C'est excellent. Cri cri cri. Ah, et puis il a oh, j'adore. Sa queue, regarde, qui est tout enroulée. Je sais pas si c'est sa queue ce qu'elle vient de là-haut. Je sais pas à dire. Si, je pense que si. Ah oui. Si c'est sa queue, tu peux la faire descendre un tout petit, enfin la faire un petit peu plus bas, c'est faire. Ça mais c'est peut-être pas sa queue en fait. Mais oui, c'est son écharpe. Plutôt l'écharpe ou le. En tout cas, c'est trop chouette. J'adore ce côté enroulé. Comment c'est super bien travaillé. Bravo. Mais il y a Vin qui dit oh le chapeau mexicain. Cécile qui dit merci pour ce troisième cours de dessin en une de main. Je n'avais jamais dessiné. Merci pour votre gentillesse et partage. NB, je déteste les araignées. Oups. Ouais, mais tu vois, on en a fait des petites. Comme ça, c'était moins gênant pour ceux qui n'aiment pas ça. En tout cas, très réussi. Bravo. J'adore la réussite. Celui d'Alexandra. On a trop l'impression que l'araignée va tomber, tu vois, en mode haut. C'est génial. Ah là là, t'as un style bien à toi, Alexandra. Ça marche trop bien. Celui de Fort 10 ans. Excellent. Chouette. Et bah, c'est super réussi. Hein. J'aime bien parce qu'en fait, au niveau de la composition, je pense qu'elle l'a pas fait exprès.
Mais au niveau de la composition, c'est hyper sympa d'avoir, tu vois, ce côté ici et puis tout le truc qui vole derrière. Ça marche super bien. Bravo, Flore. Michel. Oh, trop beau, Michel. Et du coup, elle est en train de coudre le balai? Non, je pense qu'elle est sur le balai. C'est un balai tordu. Elle a fait un balai tordu un peu derrière. Oui, d'accord. Elle est posée dessus. Et du coup. Mais la photo fait bonne honneur à ton dessin, je pense. Ok, tu casses le balai. C'est trop beau. Bravo, Michel. On dirait qu'il tord le balai en plus. Oui, c'est qu'elle est très lourde cette année. Celui de Alvink. Excellent, Alvink, il est trop chou. Ah, j'adore la petite araignée sur le balai, on dirait qu'elle danse. Tu vois? Ah ouais. Bravo, il est trop chouette. Elle fait coucou. Ah, chouette, Karine. Ouais, il y a plusieurs prénoms pareils des fois. L'araignée, le 2 octobre 2023. Trop chouette. Elle aussi, elle a fait les cratères de la lune. Je suis pas le seul. Excellent, Nessa. Oh, bravo. Ah ouais, il est incroyable. Hein. Super, Nessa. T'as vachement géré. Celui de Stéphanie, elle commence à mettre des petites touches de couleur. C'est chouette. Merci, Stéphanie. Oh, il est trop chou. Hâte de voir avec toutes les couleurs. Celui de Léandre devant. Bravo, Léandre. Oh, c'est un raton laveur. Il est trop, trop chouette. Le chat est en train d'attaquer. Non, c'est un raton laveur. En train d'attaquer avec une baguette à chauve-souris. Genre, ça ne dérange pas d'avoir des araignées partout, mais alors, les chauves-souris, non, quoi. Mais c'est une bonne idée, ouais, le coup de la baguette magique, tu vois, j'aurais pas pensé. Alors, Mimi, je pense, elle montre sa version à elle, l'araignée. Punaise, c'est trop beau. Oh, t'as vu, elle a utilisé du fil, en fait. Et elle le laisse suspendu en dessous de la feuille. C'est magnifique, Maya. T'as fait ça en combien de temps? Il est incroyable, ton dessin. Ouais, maintenant. Il y en a qui ont fait des dessins. Il y en a qui l'ont mis en couleur. Ah ouais, carrément. Stéphanie M qui... Il est trop beau. N'a pas perdu de temps. Waouh, j'adore le balai là, comme ça, les ombres et tout, le chapeau, il est magnifique. Bravo Stéphanie. Maëlle l'a fait en même temps que nous. Eh ben, bravo. Hein. Delphine qui a fait ce joli dessin. Il est trop beau ton dessin. C'est pareil, t'as la petite araignée sur le chapeau, ça marche trop bien. Bravo à toi, Maïlis. Maïlis. Oh, qu'est-ce que c'est tout doux. Eh, tu l'as bien fait en train de coudre la toile d'araignée. Excellent. Déjà, tu veux que la toile d'araignée, tu sais. Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'elle a réussi à faire, la perspective. Colo de Kiki. Ah, bravo, excellent. Trop chou. Oh, c'est sur photo. Colombine, 10 ans, qui a remis le château. C'est trop chou. Bravo Colombine, il est magnifique. Kiki, tu l'as envoyé deux fois ton dessin. Non, pas Kiki, non, c'était quoi, c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est pas Kiki, c'était les colos de... Je lui ai dit, les colos de Kiki. Ah ouais, bon, mais bref, j'ai reçu deux fois. Ça sert à rien d'envoyer deux fois. Hein, c'est pas le même. Non, je l'ai passé, c'est pas celui-là. Ah, d'accord, ok. Ah, ça arrive de faire des erreurs. Non, mais c'est pour dire aux gens que, en fait, si... Même si vous avez mal cadré, mal dessiné, c'est pas grave. Moi, je peux recadrer derrière, je peux travailler. Si vous avez mis en couleur et qu'il me manque la couleur, je peux passer là, je peux mettre la couleur. Moi, donc, ne vous inquiétez pas si vos choix vous conviennent pas, moi, je peux retravailler les choix derrière. Pas besoin de renvoyer. Juste la petite info pour les nouveaux.
Waouh. Ça va bien comme celui-là. Magnifique, Audrey. La queue, elle est magnifique. Toi, t'as vraiment assumé le côté renard. C'est vrai que moi, j'ai gardé un espèce d'entre-deux. C'est vrai que du coup, le fait d'avoir fait la queue comme ça, c'est trop joli. Comme tu as le suivant qui n'était pas en couleur, mais j'ai remis la couleur. Ça va être dans la couleur quand même. Super Caroline, ça marche trop bien ce fond là. Ça fait bien ressortir. Mon Jack, c'est une nouvelle sorcière. Mais souvent, les sorcières, on met des styles, c'est clair. Oui, c'est vrai. Très chouette. Et enfin, celui de Ondine. J'avais bien commencé, puis je me suis laissé emporter. Désolé pour le papier bloc, mais. C'est pas bien. Qui c'est qui fait des muses au boulot? C'est quoi? C'est excellent. Écoute, n'empêche que ton papier un peu déchiré comme ça avec l'araignée dessus. Je sais. Ouais, en vrai, on est super content que tu l'aies fait, on dit. Et ben franchement, on a eu beaucoup de dessins. Je pensais pas qu'on aurait autant de dessins en le faisant plus tôt. Je suis hyper contente. C'est vrai que du coup, on a eu un peu plus d'enfants. Mmh. Et ben ça fait trop plaisir. J'ai beaucoup aimé. C'était bien chouette. Ouais. Donc, je voulais dire. Donc demain on est mardi, donc 20h30. Et pour ceux qui ont des enfants, le prochain avec les enfants, c'est mercredi 15h. Ça. 15h, on dit, ouais. Donc, demain, 20h30, mercredi, 15h, et la suite, on dira plus tard. Si vous voulez avoir les horaires des lives, ils sont sur Discord ou sur YouTube. Sur YouTube, vous avez les prochains lives. Sur le Discord, vous avez un channel programme où il y a tout dessus. Voilà. Le dessin du jour est en vente dès maintenant sur Ulule. Vous prenez la contrepartie qui s'appelle Inktober, numéro 2, araignée. Vous pouvez acheter le dessin que l'or vient de faire. Elle va colorier, bien sûr. Non, j'ai général, pas envie de le garder comme ça. J'ai même pas envie de le. En fait, ouais. Je le trouve très doux comme ça. J'ai pas envie de mettre du noir. Voilà. Je crois que celui-là, je vais le laisser comme ça. Je l'aime beaucoup comme ça. N'hésitez pas. Si vous faites le dessin, si vous faites un rediff, vous pourrez le dessin. Demain soir, on prendra le temps de regarder les dessins, les rediffs et tout. On aura plus le temps demain. Donc voilà. Sur ce, on va vous laisser parce que l'heure doit partir dans pas longtemps pour son théâtre. Et donc il faut qu'elle mange rapidement. Donc je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À demain. Salut. Tu peux ouvrir les volets, c'est toi? Non, ça ne fait Merci Nessa pour Alexia pour lui avoir dit que j'ai pas pris le son. Thank you.
Thank you.